Là, ils savent mettre l'ambiance. Hein. Allegria. La batucada de Tours. Je vous rappelle que le parcours qu'empruntent les 14 chars de ce carnaval nocturne de Cholet fait 1 km 300 depuis la gare jusqu'au terme du boulevard de la Victoire et qu'ensuite tous les chars vont stationner près des halles de Cholet. Voilà, là aussi c'est une tradition. C'est une tradition, les halles sont nouvelles. Ce ne sont plus les halles d'autrefois, mais c'est le principe est le même. Tout à l'heure, les chars viendront se joindre les uns aux autres pour se faire admirer du public de manière statique. Mesdames, messieurs, quel est le thème auquel nous pensons tous très fort depuis plusieurs mois et plus encore ces dernières semaines ? Avec l'allumage de la flamme à Olympique, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, les acharnés ont décidé de leur consacrer leur char cette année. Mais alors, d'une manière évidemment très caricaturale et très amusante. Et Xenia est une athlète formidable puisqu'elle est déjà sur les starting blocks. Oui, alors je suis désolée, mais en fait, ils vont vite. Ce sont des enfants en plus et des petits lapins rapides. Les gars, vous avez bossé. Ça, c'est le char spécial des enfants ? Pas trop, ou j'ai pas tout compris. Vous avez travaillé sur ce char, les animaux olympiques. En plus, en année olympique, j'imagine qu'avec l'école et tout ça, vous avez bien travaillé sur ce thème. Vous avez fait quoi? Vous avez fait la lumière? On a fait du papier, de la peinture et d'autres choses. Toi, tu as fait quoi? Un peu pareil. Vous êtes frères tous les deux? Non, on est cousins. Cousins. Et c'est votre famille qui vous a donné envie de faire ça? Pas très entendu. Est-ce que c'est ta famille qui t'a donné envie de faire ça? Mon père fait ça depuis longtemps, donc c'était un peu de famille. Et j'imagine que d'être devant 40 000 personnes, c'est un peu intimidant ou tu t'en rends pas compte? Bah non, je m'en rends pas très compte. Parce que demain, fais gaffe, on va te demander des autographes à l'école. Hein. Tout le monde te reconnaît, toi aussi. Hein. Bon bah merci les garçons, bravo pour ce que vous avez fait et puis à bientôt pour d'autres aventures. Allez, filez avec vos copains. Bonne soirée. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, un peu timides, mais c'est normal. Mais c'est normal, ils sont là pour faire la fête. Ils sont pas là pour répondre à des questions d'adultes. Mais enfin, ils l'ont très bien fait. Parce que vous savez très bien faire, Xenia. Il est beau, ce char. Il est beau, un décor composé d'un lapin géant champion de kayak, deux girafes qui se donnent le change au tennis, un King Kong poids lourd de judo, les anneaux, bien sûr, qui domine le char, l'escargot champion de course et pingouin roi du plongeon. Quand je vous disais qu'on retombait dans l'enfance et avec ce carnaval de Cholet. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir rêver, hein, de rêver comme des enfants tout en étant grand ou soit petit d'ailleurs, mais chacun a son interprétation des chars d'ailleurs. Hein. Et ici, véritablement, le génie des créateurs, c'est d'avoir complètement trouver une image décalée des Jeux Olympiques avec ces animaux qui finalement valent bien des champions. Les acharnés qui ont amélioré le char du qui a défilé en journée pour ce défilé nocturne. Il y a beaucoup de travail d'articulation comme vous pouvez le voir avec à peu près 18 000 LED qui éclairent donc l'ensemble. Mais tout est dans le mouvement. Parce que ce qui est très difficile à obtenir, c'est le mouvement avec les lumières. Plus vous avez de mouvement, moins vous avez de LED. Alors le problème, c'est d'arriver évidemment à faire en sorte que les contacts électriques puissent se faire tout en faisant bouger l'ensemble du char. Bah, bravo à Franck Chevalier et à toutes ses équipes parce qu'elles ont super bien travaillé sur ce char qui est quand même assez beau. Avec donc
une sculptrice donc, qui a travaillé sur le char. Élodie. Hein, voilà. Et puis d'autres personnes qui se sont jointes à ce travail considérable. Hein, Régine, Odile, Monique, Marie-France, Marie, Noël, Daniel pour les costumes. Et donc un travail qui aujourd'hui, je suis sûr, fait l'admiration du public choletais et d'ailleurs, bien sûr, puisque les gens viennent de très loin pour voir ce carnaval. Et puis des anneaux olympiques comme ça, vous n'en verrez jamais ailleurs. Ils sont pas très officiels. Ils ne sont pas officiels, mais ils sont tellement beaux. Voilà, le thème des Jeux Olympiques traité avec humour par les acharnés.